Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière puisqu'il s'agit d'une annonce concernant un événement qui risque de t'intéresser. En fait, ça va se passer le mardi 19 octobre à partir de 10h concernant l'investissement. Il s'agit d'un événement organisé par le courtier en ligne Actions et Dérivés XTB qui est situé à Paris. Et si jamais, n'hésite pas aussi à visionner ma vidéo qui présente la plateforme. Le lien bien entendu est dans la description. Et cet événement est donc totalement gratuit, ça c'est une super bonne chose. Et en ligne forcément, donc tu peux regarder en tout cas et te former depuis la maison sans aucun souci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est très important, c'est que forcément ici, cet événement, il est vraiment dédié pour tout le monde, même pour les débutants. Et on se retrouve donc sur leur site internet. Bien entendu, le lien est dans la description de cette vidéo concernant la journée de l'investisseur. Donc streaming en direct avec 6 experts financiers, une journée de présentation le mardi 19 octobre 2021 à partir de 10h. Comme tu peux le voir aussi à droite, l'inscription forcément est gratuite et comme quoi ils ne demandent pas beaucoup d'informations et franchement ça c'est super bien. Et comme d'habitude, de toute façon, honnêtement, en termes d'investissement, un investisseur, il va toujours apprendre. L'apprentissage est en continu et que de toute façon, ce genre d'événement, c'est super bien que tu sois. Et comme d'ailleurs, je crois que c'est marqué, pour tout type et tout niveau profil d'investisseur, débutant ou initié, que tu sois débutant ou pas, tu vas toujours apprendre des nouvelles notions et c'est super intéressant aussi d'avoir des intervenants et d'avoir des lives aussi. Ici, c'est un live. C'est une bonne chose. Le compte démo offert pour tester gratuitement XStation, qui est une application forcément de trading proposée par XTB. Alors forcément différents intervenants, par exemple ici comment bien associer day trading et swing trading, donc ça c'est vraiment important. Erika Valero qui va te présenter ça, donc avec aussi petite présentation et tout. Court ou long terme, quel horizon d'investissement choisir? Chose bête, mais quand on va commencer un investissement, il faut déjà savoir quel type d'horizon. Est-ce que ça va être vraiment du très très court terme, donc journalier voire en heures ou en minutes, ou est-ce que tu vas vraiment faire ça sur plusieurs mois, sur plusieurs années, donc sur du long terme au niveau de ton portefeuille? Il y a vraiment une organisation, une certaine discipline à avoir dans ton investissement ou tes investissements et c'est vraiment quelque chose de très important. À qui s'adresse le day trading, etc. Comment concilier day trading et swing trading dans votre stratégie? Là on aura par exemple Ibrahim Chauvin. Comment intégrer le chartisme dans votre trading? Pourquoi les zones prix sont-elles si déterminantes? Comment s'en servir pour déterminer la tendance et rentrer en position? Pourquoi trader les bulles? Comment intégrer cette technique dans votre plan de trading? Donc vraiment tu vas voir que tu vas vraiment voir plein de choses et permettre d'avoir une certaine ouverture d'esprit aussi sur l'investissement. Comment composer votre portefeuille d'investissement? Qu'est-ce qu'un ETF? Quels avantages? Comment créer votre propre portefeuille ETF? Comment mesurer la performance et le risque d'un ETF? Enfin voilà, toutes les questions forcément se posent. Premier pas en bourse avec le trader du dimanche, le vocabulaire à connaître lorsque vous investissez sur les CFD, quelque chose de très important. Pourquoi investir sur les CFD? Très important aussi, les avantages et les inconvénients. Comment encadrer facilement vos trades avec un stop loss et un take profit? Alors là vraiment, ça c'est la base de la base. Comment se défendre, que ce soit avec le stop loss et que ce soit avec le take profit? Prendre des profits, savourer ça quand tu investis, que ce soit sur le court, le moyen, le long terme, tu peux savourer en prenant aussi des profits et c'est l'une des bases. Et il y a une discipline, il y a une rigueur derrière tout ça. Comment mesurer l'efficacité de vos trading sur la plateforme XStation, d'ailleurs qui est vraiment une très très bonne plateforme, que je t'ai présenté sur YouTube et que j'utilise aussi vraiment. XStation, c'est vraiment vraiment bien parce que tu as énormément de choses que tu peux regarder et faire sur la plateforme. Ça c'est quelque chose que j'adore. Comment analyser la santé d'une entreprise? Donc là on va être sur quelque chose d'autre en termes d'investissement qui peut être éventuellement intéressant. Donc ici on est sur l'action, les points clés à analyser avant d'investir dans une société. Donc ça aussi c'est important. En savoir plus sur nos experts et donc ici forcément avec les différents profils avec leur expérience et leur âge éventuellement. Alors on a le programme journée de l'investisseur avec tous les détails de la journée. Comment va se passer, comment va se dérouler la journée? Et bien ici tu as de manière très simple l'horaire avec le titre. Pourquoi investir sur les CFD? Donc le thème forcément, avantages et inconvénients. Et bien entendu tu vas faire tout ça hop. Et après à la fin de la journée tu auras la tête comme ça avec plein de choses auxquelles tu auras appris et n'hésite vraiment pas aussi à noter, vraiment note tout ça ou à l'écrire sur l'ordinateur, ça dépend des gens, de comment ils arrivent à bien mémoriser et tout, mais vraiment à noter parce que tu risques d'apprendre beaucoup de choses. En tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te partager aujourd'hui
bien cet événement qui pour moi est très importante. En plus de ça, XTB c'est vraiment une très belle plateforme que j'utilise aussi bien entendu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas avoir plusieurs catégories. Le Forex, matière première, tu vas avoir aussi la crypto-monnaie, les actions et les ETF, etc., etc. Et là, tu vas pouvoir vraiment te diversifier. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut prendre en compte, parce qu'un investissement, bah, c'est pas mettre ses œufs dans le même sac, dans le même panier tout simplement. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.